Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour un live spécial Bayonetta Switch. Alors je viens de recevoir le jeu là, juste le temps de le déballer et j'ai décidé de vous faire un petit live dessus. Alors comme d'habitude, on va reprendre un petit peu l'histoire. Donc Bayonetta c'est quoi? C'est un jeu développé par le studio Platinum Game. C'est un jeu édité par Sega qui est sorti en 2009 sur, dans un premier temps, Xbox 360. Il était prévu sur Xbox 360 puis est aussi sorti sur PS3. Donc à cette époque-là, moi je me suis procuré malheureusement la moins bonne des versions, c'est-à-dire la version PS3, qui avait des gros problèmes, car Bayonetta c'est quoi? C'est du beat'em up 3D très chiadé, et la version PS3 avait un framerate vraiment à la ramasse. Donc même avec un framerate à la ramasse, j'ai beaucoup aimé le jeu à l'époque, mais voilà, il fallait à l'époque l'avoir sur Xbox 360, c'était vraiment le meilleur moyen d'y jouer, on dira correctement en 720p, enfin un upscale 1080p, 30 FPS, et encore, même sur Xbox 360, le jeu était un peu ambitieux. Par la suite, le jeu aura fait tellement de mauvaises ventes que Platinum Games bossait sur Bayonetta 2, mais que Sega, vu les ventes un peu ratées du premier Bayonetta, était pas trop chaud pour financer encore le 2. Et là, c'est Nintendo qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et qui a dit pas de souci, nous on complète. Et c'est pour ça que Bayonetta 2 a été annoncé en exclusivité, édité par Sega et Nintendo pour une exclusivité Wii U. Et ils en ont profité pour sortir un collector et les jeux classiques aussi. Je vais vous montrer le collector. On avait eu droit à un superbe collector sur Wii U, Bayonetta 2 qu'ils avaient appelé. Première édition, oui, collector, où c'était le livre des anges, et c'était une édition limitée à 15 300, avec les reflets, on va essayer de vous le montrer, 15 300 exemplaires. Et donc à l'intérieur, il y avait le premier Bayonetta, hop, qui cette fois-ci était à 1080p 60 fps. Voilà. Donc il était bien physique. Et le Bayonetta 2, aussi en physique. Donc dans le collector, enfin là c'est le projet zéro qui est dedans. Car j'ai relancé Bayonetta 2 juste avant, il y a quelques jours, pour voir la comparaison qu'on va faire tout à l'heure avec la version Switch. Donc ça c'est sorti en 2014 en exclusivité. Donc quand j'ai eu ces collectors, je le disais, les gens ont pleuré que c'était un scandale, que ce soit une exclusivité Wii U, que c'était la console de la mort, qu'il fallait que le jeu sorte sur les consoles Sony et Xbox. Mais en même temps, vu que ça avait bidé sur le premier Bayonetta et que si Nintendo n'avait pas injecté de l'argent en même temps que Sega, il faut savoir que Bayonetta 2 n'aurait pas vu le jour. Donc l'exclusivité est restée chez Nintendo, mais Sega avait quand même participé financièrement, ils l'avaient édité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Alex? Que Bayonetta 2, il a jamais vu, mais que le premier, il aurait aimé. Enfin, que Bayonetta 1, il l'a pas trop aimé, que le 2 va peut-être lui plaire. Tu l'as fini sur 360. Ah ben, faut y donner sa chance, c'est spécial, hein, mais c'est quand même on va dire, l'un des meilleurs beat'em up de la génération 3D, quand même. Alors ensuite, Bayonetta est sorti sur PC en 2017. En 4K, 60 FPS et tout, une très bonne version que je n'ai pas mais que j'ai pu tester. Et il n'y a pas longtemps, Nintendo a annoncé, lors de l'un de ses directs, Bayonetta 3. Alors cette fois-ci, ça sera vraiment encore une exclusivité Nintendo Switch. Et là, visiblement, Sega ne met même pas des ronds, hein, c'est entièrement financé par Nintendo, Bayonetta 3. Mais c'est pas qu'un bug, c'est qu'elle est très moche, c'est du 720p pas propre. Et c'est que le jeu ralentit. Le framerate est à la ramasse, hein, sur PS3. Mais vraiment à la ramasse, quoi. Moi, quand je l'ai refait plus tard sur la version Wii, ça m'a vraiment changé la vie. Hein. Parce que Bayonetta 3, dans les combos, des fois, il y avait des freezes, quoi.
Il y avait vraiment des gros gros ralentissements. Le 30 FPS n'était jamais maintenu. Et donc, comme je vous disais, Bayonetta 3 est annoncé. Et ils en ont profité pour ressortir. Ils auraient bien raison, hein. Sony et Microsoft ont fait que dans la première année, voire presque 2 ans, que des rééditions de jeux sur la PS4, Xbox One. Et bien Nintendo en profite. Alors là, c'est rigolo quand même. Regardez la taille du collector. Collector. Wii U. Collector. Nintendo Switch. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de minuscule. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce collector? Bayonetta 2. Alors, par contre, le 1 est en démat, à télécharger sur l'eShop. Il y a eu un peu le même principe, et encore, nous c'est pire parce qu'il n'est même pas sorti chez nous. C'était le Resident Evil Revelations Collection que j'ai pris en US, où à l'intérieur il y avait la cartouche avec le 1, mais le 2, qui faisait 22 ou 23 gigas, était à télécharger. Là c'est le contraire, c'est-à-dire vous avez le 2 en physique avec pas de mise à jour d'ailleurs. Là j'ai installé Bayonetta 2, il ne m'a pas demandé de mise à jour, je suis en train de télécharger le 1 à côté là. On se le testera peut-être aussi. Mais voilà. Cette fois-ci, c'est le 1 à télécharger et le 2 sur la cartouche. Au choix, je préfère quand même avoir Bayonetta 2 sur la cartouche que Bayonetta 1 et devoir télécharger Bayonetta 2. Car il est beaucoup plus lourd Bayonetta 2. On a aussi un superbe steelbook, une planche de stickers et des cartes de verset. Donc je vais pas vous faire un super unboxing non plus. Hein. Il y a tellement. Donc on voit que c'est un genre de fourreau. Hop, voilà. On va faire vite fait juste vous montrer le jeu, le steelbook, et on va tracer quoi. On va aller sur le jeu, c'est ce qui nous intéresse le plus. On va quand même vous montrer un petit peu la boîte, voilà, spécial édition, avec le rouge à lèvres de Bayonetta, ou Bayonetta en français, comme vous voulez. Alors dedans, on peut voir quand même que même si c'est petit, pour l'instant c'est optimisé, mais c'est bien foutu, ça fait un peu qualitatif, ça fait un peu les smartphones haut de gamme, qui sont dans des berceaux carton. Ça reprend un peu ce principe-là. Donc on a le jeu. Bayonetta. À l'intérieur, vous ne le verrez pas car je l'ai enlevé, un code de téléchargement, mais aussi jaquette réversible. Donc jaquette du 1, et forcément, comme vous venez de voir, la jaquette du 2. Ensuite, un steelbook qui est vraiment magnifique. Un steelbook avec un côté forcément Bayonetta, premier du nom. De l'autre côté, Bayonetta 2, et c'est pareil à l'intérieur, c'est bien foutu. Les flingues rouges représentatives du premier épisode, et les flingues bleues représentatives du 2. Et avec écrit sur la tranche, pour ceux qui aiment les steelbooks avec le nom, il y a bien écrit Bayonetta sur la tranche. Donc super steelbook. Et ensuite, le reste, je pense qu'on va passer. On voit les cartes de verset, bon, mais on va pas s'attarder. Là, il y a des. Je crois que c'est des stickers, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Voilà. Même les planches d'autocollants, vous voyez, sont mis dans un. Ça fait très smartphone, hein. Franchement, les smartphones moyenne gamme et haut de gamme, avec les berceaux carton et tout, enfin voilà, on va pas s'attarder. Mais c'est voilà. Le collector est petit, mais il est qualitatif. Le seul truc qu'on aurait aimé avoir, c'est quand même un artbook et. Au moins une BO quoi. Mais bon, pour le prix, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est même pas 80 € le collector. Voilà. On regrette d'avoir le 2 en téléchargement, c'est sûr. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, un jeu en Day One, c'est 60-70 €. Là, pour 80 €, vous avez un joli packaging. Voilà, bon. Pas super le collector, mais bon. Pour le prix, j'attendais quand même les deux cartouches. Mais on en revient toujours au même. Hein. Pourquoi il n'y a pas de cartouches? Parce que Nintendo, sur les royalties, massacre les éditeurs tiers. Et alors quand Nintendo annonce pour 2019 des cartouches 64 Go, alors que déjà ils sont tellement chers qu'aucun éditeur tiers prend la 32 Go, ils préfèrent mettre des 16 Go et faire télécharger aux utilisateurs. On se doute bien que la 60 Go, 64 Go va tomber vraiment à pas marcher quoi. Donc c'est dommage, sur Switch on a beaucoup de jeux en démat, mais bon. Bayonetta 2 est sur la cartouche déjà, à l'intégralité, et c'est pas mal j'ai envie de dire.
Donc je rajoute juste quelque chose. Ouais, c'est bon. Il a pas switché sur ma 4G. Eh ben, on va se lancer. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit depuis sur Xbox 360, tenez bien 720p. Ben non, c'est que la PS3, c'est pas qu'elle était vieille, c'est que. Ah, si, j'ai un 4G qui plante. Hein. C'est que la PS3 avait pas le même hardware que la 360. La 360 avait un hardware très proche déjà à l'époque du PC. Tandis que la PS3 misait tout sur son processeur central et des coprocesseurs, et c'était pas facile à. Les portages étaient pas faciles à faire. Quand le jeu était développé de base pour la PS3, il était très bon. On a pu voir des exclusivités PS3 très bonnes. Mais voilà. Malheureusement, la génération PS360 a été la génération où ça a été l'avènement du PC, on peut le dire, des jeux multiplateformes. Et au final, voilà, le fait d'avoir les mêmes jeux sur PS3, 360 et PC, ben, la PS3 était la dernière, quoi. Elle faisait un 720p pas toujours fluide, parce que voilà, comparé au PC à Xbox 360, eh ben, c'était pas le même hardware. Et même si le fait que la PS3 est arrivée un an plus tard qu'à 360, le temps qu'elle s'installe et tout, voilà, les jeux n'ont pas été de suite bien optimisés sur PS3, et ce qui fait que sur la génération précédente, hormis exclusivité, si on est console, il faut mieux une Xbox 360, ça j'ai toujours dit. Des cartouches, hein, sur une console portable, ça va être compliqué de mettre des CD. Comment tu veux mettre, Alex, un CD dans une console portable, toi? Ça marche pas. Sinon, il aurait fallu faire des UMD comme à la Sony, quoi. Allez, on va se lancer ça. On va voir un petit peu, comme je vous ai dit, il y a quelques jours auparavant, je me suis relancé Bayonetta 2 sur Wii U, pour voir un petit peu, là, au niveau de la finesse des textures, au niveau de. Alors, le son a l'air un peu plus bas, on va peut-être le remonter. Alors on est à combien? LG Pro. Non, on va rester à 69%, vous me direz dans le jeu si c'est assez. Alors, on va le faire. Bon, déjà, ça se présente comme la version Wii U. C'est exactement pareil, on n'est pas dépaysé. Non, mais c'est ça. Non. Nintendo gardera sa cartouche. Ce jeu utilise une fonction sauvegarde. Alors nous avons quoi? Le scénario, le double apothéose pour jouer avec un autre joueur, les larmes de l'Umbra. Au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? Une vibration. Ah, il y a des commandes tactiles. Activer ou désactiver les commandes tactiles. Ok. Affichage par défaut, la caméra. Ouais, le son. Alors, le son, déjà sacrilège. Voix japonaise. Les voix. Voilà, les voix fond. L'affichage français, français, sous-titres, indications. Ok. Confirmer les modifications. Allez, on va se le faire en facile parce qu'on est en live. Que je puisse vous lire les sous-titres quand même. Enfin, que je puisse lire vos commentaires. Jouer en mode automatique. Non. On va quand même pas déconner, on prend quand même un mode noob. Alors, équiper la marionnette dans le menu pour rendre le. Immortel. Pour rendre le jeu en mode automatique. Je veux pas de mode automatique. Hein. J'ai dit facile, j'ai pas dit no brain. Donc ça va commencer d'entrée. Hein. Donc on va très vite voir si la Switch tiendra la promesse du 60 FPS dans un univers d'ombre et de lumière où la perception façonne la réalité. Vous me direz si le son du jeu est assez fort. まりに遡る誰も知らない原初の世界、
それがある争いが元で三つの世界が分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界。やがて三つの世界にはそれぞれの統治者が誕生した。もちろんこの人間界も。その神の君、兵士。T'as pas l'air de ramer, donc j'espère que vous, il y aura pas de lag sur le... C'est du 60 FPS pour moi. Allez, peut-être 40 quand ça pète un peu, mais... Non, c'est fluide. Allez, ça fait plaisir. 観測あるがゆえに世界はその存在を認めない。つまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだった。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを夢、自らが持つ世界を司る力を二つに分け、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右目と闇の左。エーシルの神の目、二者に分かれて持つことで人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの目、人間たちは自らの道を選び自我に目覚めていったんだ。かくして我々人類は考える足となって偉大な繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぐ創造主として。Ah, c'est plus puissant qu'une 360. Hein. Ah, c'est pas la même scène qu'au début quand même. Effectivement, il commence toujours par la fin avec un gros... En te montrant la fin du jeu, entre guillemets, le gros combat. Et ils reprennent la même construction. Effectivement, ils reprennent la même narration. Que Bayonetta, mais c'est pas la même histoire. Hein. En tout cas, première chose que je peux affirmer, graphiquement, c'est aussi fin que Bayonetta 2 sur Wii U et aussi fluide. Franchement, c'est vraiment du, peut-être pas du 60 FPS tout le temps, mais ça descend jamais en dessous de 30-40, ça c'est sûr. La fluidité liée en permanence. Donc ça déjà c'est un bon point, parce que sur la portable j'avais peur. Après il faut voir si en mode tablette c'est aussi beau et aussi fluide. Mais là pour l'instant en mode docké c'est parfait. Il y a peut-être même une légère, un aliasing un peu moins prononcé que sur Wii U peut-être. Hein. Légèrement, mais à confirmer, il faudra voir les deux écrans à côté. Hein. Ça, c'est l'œil droit qu'on avait inclus dans le Bayonetta 1. Parce que nous, au final, on était l'œil gauche. Alors, j'espère que le son est bon pour vous. Ou sinon, j'augmenterai encore. Tu me le diras. Je peux encore augmenter, je pense. Tu me diras, Alex, si c'est assez fort. Mais ce kenja no tsukasadoru hikari no migime ga kono yo kara eien ni ushinawareta. Saigo no kenja no inochi to tomo ni. Le soir est bon ? Ce jeu vrai. Alors, la fin du monde. C'était la rémanence temporelle.
le prologue, un mode noob. Ah, on n'a toujours pas accès à Bayonetta. Ah oui, c'est parce que on y aura accès juste après là, après la scène d'entrée. Voilà. Avec l'avion juste culte. C'est vrai que ce jeu a fait beaucoup d'envie à l'époque quand il était exclusif à Wii U. Il est toujours d'ailleurs exclusivité Nintendo. Mais bon. Tant que le jeu sort, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et là, le fait qu'il sorte sur console portable, c'est quand même la classe quoi. Le premier était excellent au niveau, c'était la même mise en scène, sauf qu'à un moment il pisse sur la tombe carrément du réalisateur du jeu quoi, c'est énorme. Je remonte un peu le son. Si c'est trop fort, je le baisserai. Tu me diras. だいたい何足くっつかってんだ。お前はタコかっつんだよ。あら、そんな口聞いていいの？この間の仕事、ただで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。 Bayonetta avec cheveux courts, c'est quand même quelque chose. スケベ。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 スケベ
詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。Normal, c'est comme ça qu'on fait de la moto en ville. Sakki kara itten daro ga. Nando itte mo wakannai yatsu da na koitsu wa. Jetoki da yo, jetoki. Hora, hane ga atte sora o tobu yatsu da yo. Byan tte. Tobu tte itte mo tenshi ja ne zo.あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、ほらガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよあれ、わかったか。この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな、クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。おやじ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。リボンはいらねえって。リボンはいらない。ついてないわ。一番のお気に入りの服なんて。あれ、un coup de pied dans un avion réacteur, normal. À dégager.Nos amis les Georges sont de retour. Ouais, moi pas trop, mais bon. Allez, nouvelle Bayonetta, nouveau style. Alors tu peux également jouer à ce jeu en utilisant les commandes tactiles. Adopte le style de jeu qui te convient le mieux. Ouais, ils ont repris le gameplay stylé en fait de la version Wii U que je ne vais même pas tester d'ailleurs. Coup de poing. Bim. Bon, tu veux pas de coup de poing. Coup de pied. Ouais, bouffe. それで全力？ね、レスキューパフォーマンス、トゥマンを第二ボーン。惜しいわね。エタップ。Le tir ralenti。Putain, j'ai la latasse ou quoi ? Faut que je reprenne mes marques. Allez, c'est parti.
Alors on a ramassé un halo, c'est un métal spirituel précieux imprégné de l'essence vitale d'un ange. Ça sert de monnaie en enfer. これだからチープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことはねえ。なんでエンジンがかからねえんだ。もしたっぱいメールはそれはどうやってもいいと思う。お前はロダン、まさか冗談だろ。 Aucun rapport. C'est un démon, Lodan. C'est un démon qui fait affaire avec Bayonetta. Sauf que là, pour lui donner ses armes, ils ont fait... version Père Noël quoi. Normal quoi. On roule sur les murs. Ça c'est la classe. C'est ça, c'est là le bar. Beautiful. Même pas mal. Contre, c'est toujours si mal traduit. Alors, attaque tes ennemis pour remplir ta jauge de magie, donc le mouvement et climax. Utilise R pour l'utiliser. Et tape. Personne vient de taper? Ah, c'est vrai que je suis impatient. Et tape. Mais qui va taper dans le temps. Merde, c'est chaud. Trompé, trompé. Hop, hop, moi je m'ennuie. Hop, hop. Merde, j'ai claqué mon bras pour rien quoi. Ok. Point dans ta gueule. Ah bah tiens, Jeanne qui vient de m'aider. Jeanne, mon ami Jeanne, reviens. Ah, là, y a des gros copines là. Tiens, un petit ombra vers les pieds. Donc j'ai récupéré des lauriers verts. Ça contient une essence vitale cristallisée, ça restaure de la santé dès l'obtention. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les combos de débloquer. Monsieur, je suis là. Non, je suis là. Monsieur. Bah, j'aurais peut-être dû remettre un...
anormal. C'est pas facile, évidemment. Tap. Bonjour monsieur. Allez. Ça c'est bon quoi. Konokichi. Merde, j'ai foiré complètement. Quoi comme ça pas. Ah, mauvais quand même, putain. Il dit ça, mais je prends une note de merde. Non, en tout cas, ça rampe pas, c'est toujours aussi fluide. Franchement, un bon portage sur Switch pour l'instant. Ouais, lâche-moi ça.準備はもう済んだの?キャビを忘れてな。戻ったらこのざまだ。それじゃ、店が閉まる前に済ませましょう。まだまだね。 Ah, ça c'est bon quoi. On va reprendre la... Heureusement j'ai mis attention. On va reprendre le timing. Hein. Ah ouais, c'est le jeu de la malassitude, hein, ça c'est sûr. Ah, il est pas d'accord. Premier monstre des enfers qui se rebelle.
Jen. Jen, reviens. Oula, t'as l'air de bayonnette, toi, ça, tu as pris une claque. Oshiokishitagaru. Eh, mange du shioki dans ta gueule. Osoi, andayo. Ah putain, si je commence à foirer tous mes esquives, ça va pas le faire. Oh, je suis mauvais. Tiens, vilain petit toutou. Mais putain, c'est possible. Ça, c'est beau comme plan. Mais là, on invoque un... Mais ça. Ah, le boulet. Je ne sais pas qu'il va encore recruter. Ah, c'est du gros démon, là. Non, j'ai pas marqué. J'ai pas. Là, j'ai juste le chat, mais j'ai pas les déconnexions, reconnexions. Lumen Kenjai, kataki wa uchitaku wa arimasen ka? Watashi wa kimi no kataki wa shitteimasu. Kimi no saiai no hito no inoch wa ubatta ano mono. Nani? の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そして正気となって魔界をさまよい永遠に苦痛を味わいつつ、それが闇の住人と契約したものの掟だ。何の抗議？この店に魔界大学なんて看板出てたかしら？らしくないぜ。お前ほどの術者が召喚術は引きずることはまずない。
綺麗な死に顔だぜ。え?生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうと、やっぱりおっかねえな。まだ死んでないわ。魔女の死。それは魂が魔界の正義に溶け込んで、完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。 魔界への入り口、ゲイツ・オブ・ヘル。止めるつもりはないが、言ったところで無駄かもしれないぜ。さて、これで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。外すぜ。アンブラの魔女の心臓。お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。外せば肉体の崩壊は免れない。 そして、こいつがなければ魂を取り戻すこともできない。結界の効果は24時間ってとこだな。24時間。エンツォ、プライベートジェットを用意してちょうだい。はあ?俺、耳がおかしくなっちまったか?いやいやいやいや、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか?今日が何の日か知ってるか? ガキたちが俺のために、クッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこの、プレゼントも。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。さあ、行きましょう。冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんだ。おい、離せ、離せ。 Le monde du chaos, le prologue. Eh ben, c'est pas très reluisant, heureusement qu'on n'est pas à Bourskory, quoi. On n'a pas encore accès aux armes. Voyons, tout le monde fait des lives aujourd'hui, quoi. Lého, Fimbul Vetor. Makai ni mo, Tenkai ni mo, tsujiru te yitsutae no aru kouzan da. Makai e no iriguchi, sono namo. ゲイツ・オブ・ヘルはその山のどこかにある。正確な位置は誰も知らねえ。本当にあるのかどうかさえ定かじゃねえ。だいたいあの山が神様みてえに崇められてるのは、近づこうとする人間をことごとく拒むからだ。登った奴が遭難するのは、 Après, tu joues pas à Bayonetta pour le scénario. Je te rassure. C'est pour sa technicité. Ce que vous verrez pas dans mes lives d'ailleurs. Technicité, ça va pas trop au rendez-vous. Hein. Bah, fallait s'accrocher, hein. C'était pas facile le premier. Que si tu veux vraiment finir le jeu, c'est pas un problème. C'est scorer qui est compliqué, quoi. Ah, je pensais comment j'aurais scoré en facile, mais je vais même pas scorer en facile, quoi. Ça craint, quoi. Mais bon, en même temps, je l'ai relancé il y a pas longtemps en difficile, là, pour voir les graphismes. Je suis pris une branlée, quoi. Je suis pas très bon, moi. Un beat'em up 3D. Arada, 見えてきたぞ!
Mais après, il se prend même, quoi. Franchement, si tu réussis pas, c'est que tu mets pas du tien, quoi. Si tu t'entraînes, c'est vraiment un jeu précis, Bayonetta, quoi. Tu fais vraiment des combos de folie, quoi. Et t'as une panoplie de coups juste hallucinante. En plus, t'en achètes, hein. T'en débloques. Donc, laisse tomber. C'est beaucoup plus péchu qu'un God of War, quoi. C'est là que tu commences à prendre la bonne claque sur Wii U. La vie était vraiment simple, très jolie pour l'époque. Il faut remettre dans le contexte, hein, c'était 2014 aussi. Hein. Bayonetta 2. Donc là, c'est sûr que ça aura un peu vieilli. Quoi. Transforme-toi en panthère. Yeah. Quand c'est toujours aussi fluide. Hein. Toujours aussi beau, toujours aussi fluide. Non, franchement, c'est exactement comme la Wii U. Hein. Peut-être même un peu plus fin, parce que les ombres étaient... Ah, faut que je vois, ouais. Bon. C'est kiff-kiff, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment... Ouais. Parce que là, avec les effets tout d'eau, hein, ça rend pas une pète. Après, vous, forcément, 720p 30 fps sur le stream, vous en rendrez pas compte. Hein. Mais... C'est fluide quand même. Ouais, y a pas photo, c'est fluide. C'est fluide. Ouais. Ouais, on a le set d'armes comme d'habitude. Ah mais c'est normal dans Bayonetta, c'est le bokeh quoi, qu'on appelle en japonais. Et des sucettes. Une petite sucette, ça fait toujours plaisir. Voir ça de près. Non, franchement, même de près. Il n'y a pas plus d'aliasing que dans la version Wii U. Hein. Il y est l'aliasing, mais sur Wii U, il était pareil. Hein. C'est pas... Il n'y en a pas plus, hein. À mon avis, c'est kiff-kiff. Hein. Alors ça permet... ça restaure l'énergie. Ça par contre c'est pour faire des recettes. Non franchement le portage est bon. Hein. J'avais un peu peur. Mais, je pense que le portage est vraiment appliqué. Donc ça c'est des compos aussi. Ah, on dirait que jusqu'à présent, rien n'a transparu dans le monde des humains. Tout le monde semble vaquer à ses occupations habituelles. Aucune inquiétude à avoir, ils ne me ralentiront pas. Non, franchement, ouais. Moi, c'est kiff-kiff, en fait. Je crois que, franchement, ouais. Quand je joue sur Wii ou sur Switch, c'est le même. Ça, c'est cool, quoi. Parce que version portable. On va le regarder, quand même. On va se faire un petit plaisir. Vu que pour... Faut pas oublier que la Switch, c'est une console portable. Hop. Alors par contre, pour vous le montrer, ça va être compliqué. Mais on va quand même essayer. Présentation. Hop. Ouais. Je pense que je referai des vidéos comme j'avais fait pour... Parce que là, c'est vrai qu'avec les reflets et tout... C'est compliqué de vous montrer avec une main, de jouer avec l'autre. Là, vous pouvez voir quand même que... Ah, c'est compliqué. Est-ce que j'arrive à faire un focus? Ah, si, elle arrive à faire un focus. Ah, vous voyez, franchement, ça...
Je vous ferai une vidéo comme j'avais fait pour Xeno. Avec la... Là, je rade un peu, moi. Ah non, c'est beau, hein. Franchement, sur la portable, waouh. Ça biche, quoi. Ça biche, comme dirait l'autre. Ça envoie du pâté. Je pense que je vais me faire un petit plaisir aussi à me faire les baillots sur... en version portable. Alors... Faut que je rebranche tout, maintenant, quoi. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Hop là! Ça aussi, c'est la magie de la Switch, quoi. Jouer à la volée en mode portable. Ouais, mais je vous ferai des vidéos comme j'avais fait pour le reste, où tu as vraiment, sur ton écran de PC, je le ferai avec mon caméscope à 1080p 60fps, la capture. Ça rendra bien, quoi, vu que la Switch est du 720p. Vous aurez un bon rendu. Mais franchement, ouais! Bon quoi, agréablement surpris là, je te dis, j'ai tourné là, c'est pareil quoi, c'est même limite plus fin que sur la, vu qu'on est sur un écran de 6,2 pouces, c'est presque plus joli sur le portable, c'est, ouais franchement, je vous ferai une vidéo pour que vous voyez, non franchement surpris, agréablement surpris, si le jeu tient la fluidité pendant toute l'aventure, c'est nickel. Après, il faudra voir aussi le premier Bayo. Il est à combien, là? Ah, il est bientôt fini, le premier Bayo. Ah non, franchement, la Switch, c'est une console qui mérite... Malheureusement, c'est Nintendo, j'aime pas Nintendo, mais là, ouais, elle mérite son succès, parce que, franchement, refaire tous les hits de la génération précédente en mode portable, parce que... Autant je trouvais ça complètement con de le refaire sur PS4 juste pour avoir le 1080p 60fps. Mais par contre, jouer en console portable, je suis désolé, c'est pas... Le joueur nomade, c'est pas le joueur... C'est pas pareil, quoi. Jouer en console portable, c'est pas le même feeling, quoi. C'est pas la même manière de consommer. Et là, avoir des vrais jeux, parce que jusqu'à maintenant, il fallait compter sur la Vita pour avoir des vrais, ce que j'appelle moi des vrais jeux, des gros AAA. Parce que sur 3DS, je suis désolé... Ça me vendait pas du rêve, moi, les triple A de la 3DS. Mais là, on a vraiment des jeux qui sont... de grande qualité, quoi. À quoi ça ressemble? Comme sur 3DS, hein. Sauf que... Il y a beaucoup de jeux. Enfin, sur 3DS, il y en avait beaucoup. Mais là, il y a énormément de... Beaucoup d'indépendants. En gros... T'as pas mal de jeux que t'as sur PS4, Xbox One, tu les as sur Switch, hein, parce que les ND, c'est pas des gros graphismes non plus, donc... On peut pas casser les... Donc ça tourne plutôt bien, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose sous l'eau. Si je me rappelle bien. Là, c'est les ingrédients pour faire les popos. Un petit coffre des familles. Et moi, j'ai pris pas mal de jeux, faut que je vous en montre, d'ailleurs. Je pense que j'en ferai une live ce week-end. Mais là, un jeu ND que j'ai pris, pour le coup, j'en ai pris deux qui se ressemblent. J'ai pris Dragon Quest Builders. Ça, c'est pas un jeu ND, c'est Square Enix. C'est un mélange de Minecraft et de Dragon Quest. Et Portal Knights, c'est un mélange de Minecraft et de Zelda. Donc, passe super bien. Dimanche dernier, je vous ai testé Earthwars. Là, ce week-end, je vous testerai Skyforce, qui est un excellent shoot, vraiment... Et après, dans le reste, c'est du connu. Non, mais franchement, la Switch, comparée à d'habitude, elle a vraiment les éditeurs tiers derrière et les ND, quoi. Ce qu'on n'avait pas les consoles Nintendo avant, quoi. Il y a vraiment beaucoup de jeux ND. Les jeux tiers, des gros tiers, sont en train d'arriver. Panic Button, ils nous ont fait des portages de... Excellent, donc je pense qu'ils nous ont fait le Doom 4, là ils sont en train de nous... Ils ont fait le Rocket League, ils vont nous faire le Wolfenstein 2, donc ça c'est des jeux, ça devrait même pas tourner sur Switch et ils les font tourner. Bon, Rocket League si, mais Doom 4, fallait le faire tourner sur Switch et il tourne.
Non, franchement, une bonne console portable, la Switch. Son seul défaut, c'est d'être une console Nintendo. C'est son seul défaut. On peut pas se transformer sous l'eau. Oui, c'est vrai que sous l'eau, il faut le débloquer plus tard, là. Pas beaucoup. 32 gigas. Mais moi, j'ai rajouté une carte 128 gigas. Mais ça va très vite, hein. Parce que là, 23 gigas, Resident Evil Révélation 2, 12 gigas, Bayonetta 1. Ça va très vite, hein. Si tu prends que des jeux sur le store, si tu prends pas des petits jeux ND, tu blindes très vite la carte mémoire, hein. Oh, franchement, ça rend bien. Un bon portage. Ça me tarde d'y jouer en portable. Parce que là, c'est comme si on jouait sur Wii U, quoi. Exactement pareil, quoi. Après, c'est sûr. Pour 2018, c'est sûr, ça vieillit, hein, Bayonetta. Mais bon, Bayonetta, c'est 2014, donc. Bayonetta 2. 2009, Bayonetta 1, donc. Mais en étant portable, c'est l'argument. Portable. Point barre. Tu veux y jouer sur ta télé, bah tu joues sur ta télé, mais ça reste une console portable, quoi. Et jouer à ça sur sa console portable, bah, c'est kiffant, quoi. Ah, bon, d'accord. Super saut de la mort, quoi. Hop là. Là, je prends le temps de péter pour avoir des rings pour acheter des techniques. Hein. Plus on achète les techniques, mieux c'est pour les fights quand même. Alors, il me semble qu'il y avait un coffre par là, non? Ah, ben oui, il a annoncé. Bayonetta 3 est annoncé, exclusivité Switch. Et il a été annoncé en même temps qu'ils annonçaient ce que je t'ai montré, c'est-à-dire Bayonetta 1 et 2 sur Switch. Donc oui, Bayonetta 3 va sortir, hein. Bon, ça sera 2019, je pense, mais il sortira, oui, ça c'est sûr. Et déjà, à l'époque, il faut savoir que ce qui m'avait fait acheter la Wii U, c'était l'exclusivité Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X. Voilà, donc... Ouais, la Switch, Xenoblade Chronicles 2, Bayonetta 3... Enfin voilà, il y a des gros jeux exclusifs qui te font acheter. Il y a des consoles sellers pour moi. T'avais Projet 05 sur Wii U, qui est un con pour moi que j'ai kiffé. Et j'espère qu'il ressortira. C'est pas une console seller, mais c'est un super jeu pour ceux qui sont fans de Survival Horror à l'ancienne. J'espère qu'il ressortira sur Switch. Parce que pour le coup, le gameplay asymétrique de la Wii U, ben là, vu que là, c'est la Switch qui fera l'équivalent de l'appareil photo, ben ça marchera super bien aussi. Ouais, j'espère qu'ils vont ressortir pas mal de jeux, ouais, de la Wii U. C'est vrai que la Wii U, c'est tellement pas vendu que beaucoup de gens sont passés à côté des jeux de la Wii U, quoi. Comme Bayonetta 2. Bayonetta 2, là, et je suis sûr qu'il va faire un carton au niveau des ventes sur Switch. Hein. C'est obligé. Combien de gens achetaient la Switch et n'avaient pas la Wii U à l'époque, hein. Acheter la Wii U pour 3 ou 4 jeux comme j'ai fait, moi. Sur Wii U, j'ai combien de jeux? Attends, je vais te le dire. Sans compter les deux Bayonetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 15 jeux. 15 jeux, c'est rien sur une console, quoi. J'en ai 36 ou 37 sur Switch, déjà. Mais après, c'est le concept portable. Ce qui me fait acheter des portages sur Switch, c'est que ben, c'est portable. Et ça, le coup de pouvoir jouer en portable, c'est kiffant. Rocket League, c'est moins beau. C'est que sur PC, c'est sûr. Mais par contre, voilà, avec un pote, tu te poses en terrasse, tu peux faire une partie de Rocket League vite fait, ça marche. Ça qui est bien. Mais j'en parlerai... Tout ce que je dis là, j'en reparlerai dans pas longtemps, puisque la Switch va fêter ses 1 an le 3 mars. Et je ferai un live bilan de mon expérience Switch.
dire ce que les jeux, ce que j'en ai pensé, son futur. Allez, on va aller faire le truc de l'Umbra de l'autre côté. Est-ce que c'est ouvert d'ailleurs? Oui, c'est ouvert. Allez. Oh, ça c'est des... En gros, là, il faut tuer des mobs avec des prérequis. Alors, le prérequis, c'est quoi? Ah, quoi? Il y a un timer. Faut tuer les mobs avant le timer. Ah, j'ai fait un platine, quand même. Pas trop tôt. Cœur de sorcière. Il faut rassembler 4 pour augmenter sa jauge. C'est pas des... C'est comme Zelda, sauf que là, c'est un vrai cœur. Allez, on est reparti. Ah, c'est dommage que certains jeunes n'adhèrent pas au character design de Bayonetta, parce que après, c'est... Niveau gameplay, c'est vraiment excellent, quoi. Ouais, deux cœurs. Ce qui est bien de celui-là, c'est qu'il est à peine un peu plus ouvert que le premier Bayonetta. Donc les décors sont un peu plus fouillis et tu peux faire, on appelle pas ça de l'exploration non plus, faut pas déconner. Mais voilà, les niveaux sont quand même un peu plus grands. Et ça fait moins couloir, quoi. Et ça c'est un petit plus du Bayonetta 2, quoi. J'espère que mon live rendra honneur au graphisme, même si c'est que du 720p. Un passage est visible de l'autre côté de la faille. On dirait le reliquat d'un grand pouvoir qui se dissiperait au plus léger frôlement. Voilà, hop. Un grimoire. Fragment de souvenirs, réflexion extraite d'un journal tenu par un homme à l'esprit aventurier. Difficile de... Bon, on va pas vous faire la lecture, c'est du Bayonetta. Mais si vous voulez vraiment bien saisir l'histoire et le background, dans le 1 et le 2, faut lire les romans, quoi. Les romans. Faut lire les notes, quoi, à la Resident Evil, quoi. Vous voyez que pour de la console portable, c'est propre, hein. C'est vraiment propre, hein. Je vais dire de la Wii U parce que c'est le même jeu, mais... Ruines oubliées. Allez, une petite arène. Bonjour les mobs. Les pauvres mobs, ils ont pas compris, je crois, là. Ils ont peu de chance. Ah. C'est platine pure. Ah oui, il y a au-dessus du platine. C'est platine pure au-dessus, putain. Allez, vous en verrez pas souvent, hein. J'espère que vous l'avez bien vu, celui-là, que vous l'avez bien screenshot, parce que je vous en referai pas beaucoup, même facile. Hein. C'est parce que c'est les mobs, ils servaient à rien, quoi. Ah, merde. J'ai raté mon double saut. Boulet.
Ouais, c'était là qu'il fallait faire le double saut. Sur 4, mais plus que. Ah, le 2 t'attire, je croyais que ça allait pas te plaire. Après, le 2 est moins gris, on dira. Il est beaucoup plus coloré, quoi. C'est vrai que le 1 était très très gris, quoi, au niveau des textures. C'est vrai que le 2 quand même est beaucoup plus coloré quoi. Mais après voilà, si t'as des problèmes avec Bayonetta et sa vulgarité, on dira ça va pas s'arranger dans le 2 quoi. Après si tu veux de l'action badass, voilà, Bayonetta elle assure le steak quoi, elle fait le show quoi. Tu mets une barre de pole dance, c'est bon quoi, elle te fait massacre. Et c'est ça qui est bon quoi. Après je te dis tu joues pas Bayonetta pour son histoire quoi. Si t'arrives à passer outre ce qui te dérange, c'est un jeu où tu t'amuseras. Tu ne peux infliger de dégâts que pendant la chrono régression. Ok. Ok, vous voulez. Ah, il se pose pas ces questions-là, il s'embête pas avec le réalisme dans Bayonetta, quoi. Il se pose pas la question du réalisme. On attend 2 secondes que l'on rate quelque chose. Hop, on te paie. Non, non, ils vont pas recommencer leurs travaux, quoi. Mais si. Il va falloir que je coupe mon micro à chaque fois, putain. Ils sont sérieux. Il faut chier. Désolé pour les travaux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là, quand même? Bonjour les mobs. Oh putain le boulet. Ah
Ben, j'ai envie de te dire, Alex, regarde un peu dans la vie de tous les jours, dans les publicités de tous les jours. C'est ça maintenant, Alex. Hein. J'ai envie de te dire, c'est pas que dans Bayonetta, quoi. Hein. Les mecs, ils te vendent un yaourt, ils te montrent un dessin, hein, je veux pas dire. Mais, hein. Ça, malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Hein. Et que Bayonetta le tourne en comique. C'est vulgaire comique, quoi. C'est l'humour japonais, quoi.全くプレゼントの配達には難儀したぜ。父親が帰ってこないからってディナーまで付き合わされる羽目になった。よかったじゃない。エンツォの奥さんの料理美味しかったでしょ。腹腹いただいたよ。で、俺の可愛い子供たちの様子はどうだ。いい子にしてるわよ。この町にはお友達もたくさんいるしね。だろうな。ここは本家ゲイツ・オブ・ヘルがある霊峰フィンブル・ベトルと共に栄えた町だ。いつもの友達どころかもっと荒っぽい輩がいてもおかしくねえ。ともかく何か入り用の時はこいつを持ってきな。ただし俺が興味あるのは俺の子供たちの働きぶりだけだ。お友達にいじめられたからってこの俺に泣きついて。 Mais c'est le cas, j'ai envie de te dire. Allez, on va aller voir si on peut acheter quelque chose. C'est ce qu'ils en ont fait, c'est une sorcière badass et chaudasse, quoi. C'est Bayonetta, quoi. Ça a fait polémique à l'époque, je te rassure, hein, Bayonetta 1. Ah oui, sa petite polémique sexiste. Hein. Nantene. Ça, mais c'était. Kudasai. Donc les armes encore, j'ai pas trouvé les disques. Les amiibo, je m'en bats les couilles. Technique. Là, c'est lequel? Frappe ton ennemi avec une rapidité à couper le souffle. Incline deux fois. Là, c'est quoi? On va le tester celui-là, parce que pour le coup, j'ai pas trop. Merde. On va essayer. Ouais. Pas une technique qui me fait vendre du rêve, ça. Ça, c'est lequel? Lance-toi à l'air. Un donne un coup de pied. Ouais, celui-là par contre il me plaît, on va l'acheter. Ah. Glisser vers un adversaire, ouais, bon, pour l'instant on va en acheter qu'une. Parce qu'après il y a les armes à acheter. Je vais avoir rapidement les katanas, de mémoire. Casse la gueule.
C'est normal, s'inquiète pas. Oui, la Bayonetta. Ben, moi je te conseille à ce compte là DMC Devil May Cry si tu l'as pas fait. C'est un super beat'em up technique aussi. Et là pour le coup, t'auras pas ce côté dénudé. Même si au début il en joue un peu, mais DMC Devil May Cry je te conseille si tu l'as pas fait. Tu le trouves sur 360 ou PS3. Ah, ça y est, Bayonetta a été téléchargée. On va voir comme il pèse par curiosité. Alors, gestion logicielle. Donc on peut voir qu'il me reste que 48 gigas sur ma carte 128. Mais voilà, 23 gigas pour Révélation 2. Eh, Bayonetta, il n'est pas si lourd que ça. Hein. Il fait que 8,5 gigas. Alors que Elle est Noire, par exemple, je l'ai en cartouche le jeu. Et j'ai quand même 13 gigas téléchargés. Quoi. Mais je pense qu'Elle est Noire, je l'enlèverai pour faire de la place avant d'acheter une autre carte. Hein. Ouais, mais là je te parle de DMC Devil May Cry. C'est un jeu qui normalement est fait par Capcom, mais là ils avaient donné le développement à Ninja. Ninja Theory, donc c'est-à-dire il y a pas longtemps j'ai fait un jeu de Ninja Theory, j'ai fait Enslaved, j'ai fait aussi Senua's Sacrifice qui est deux. Et il est vraiment très bon, si tu l'as pas fait, DMC Devil May Cry. C'est un jeu qui devrait te plaire. DMC Devil May Cry. Super jeu quoi. Bon, après pareil, l'histoire est pas top, mais le gameplay il est... Le gameplay par contre il est fat. Merde, quel con. Ah là là, là boulet. Le boulet. Ah putain, faut repartir à l'arrière. Ah, pardon. Heureusement qu'ils sont généreux sur le tard. Hein. Putain, mais je crois que je vais même pas l'avoir, quoi. Tellement que je suis nul. Il est où le dernier? Il est sur la place, non? Ah merde. Ah, ça m'a coupé le truc, à force que je le refasse. Je dois me taper le boss. Celui-là sur Xbox One, il est beau. この調子じゃいつになったらフィンブルベトルに着くんだか。ま、退屈はしそうにないけどな。
Ah, c'est dommage parce que les beat'em up 3D t'en as pas souvent, donc je peux pas t'en conseiller d'autres. Hein. T'as que God of War à attendre et Bayonetta 3 quoi. Les fameuses cartes qu'on nous a offert dans le Pity Collector. La première fois que je vois un collector aussi petit quand même, c'est rigolo. C'est le chibi. C'est le chibi collector. Allez, les anges. Bonjour. C'est pour vous faire péter la gueule. Vous n'êtes pas trompé d'endroit, c'est bien ici. Faites la queue, comme tout le monde. Et attendez votre tour. Ah, ça va être compliqué, t'es pas Sony, t'es pas... Ça va être compliqué, hein. Un beat'em up 3D, t'auras rien. Mais par contre, malheureusement... Ah, cool. Disque d'or capturant les voix cristallines des anges. On va pouvoir acheter une arme. Compliqué, Alex, hein. Un beat'em up 3D, malheureusement, c'est un jeu qui est pas... C'est un style de jeu qui est plus trop vendeur, quoi. C'est vrai qu'on en fait plus trop, quoi. Il y a une époque, on envoyait à toutes les sauces. Hein. Après, si t'as Platinum Games qui en a fait pas mal, t'as eu un Tortue Ninja, t'as eu Vanquish, mais c'est des jeux que t'as fait, tout ça déjà, je pense. Donc, je peux pas te les reconseiller. Bon, faut que j'aille refaire ma quête, moi, parce qu'au final, je me suis fait bézouille. Hein. J'ai pas réussi à avoir le coffre. Hein. Y'a rien plaqué de ce côté là, par curiosité. Si, il disait bien qu'il y avait quelque chose de planqué. Les niveaux sont pas graves, mais ils arrivent à planquer quand même des petites choses. Alors c'est quoi les bonbons là? Parce que depuis le temps je me rappelle plus moi. Alors les bonbons. Ibambang, c'est quoi les sucettes? Alors, sucette contient un extrait qui permet d'être insensible à la douleur. Donc le jaune, c'est insensible à la douleur.
Ça, ça te redonne de la mana. Ça, ça te redonne de la vie. Alors, il est dit que ceux qui font tinter cette cloche voient la fortune leur sourire. Ouais. D'accord. Je l'ai fait claquer mes lames, mais... J'étais peut-être pas le moment. Ouais, mais faut faire celui-là de Platinum Games. Pardon, le Tortue Ninja, il est pas bon. C'est le Transformer ce qu'il faut faire. Élimine tes ennemis pour gagner des secondes supplémentaires. C'est le Tortue Ninja, il était pas bon, je crois. C'est le... Je l'ai pas, moi. C'est le Transformer qu'il faut faire. Ah putain, je commence à rater mes combos. Ah si, j'ai quand même réussi à passer. Là j'ai fait de la merde. Mais c'est bien, des fois en faisant de la merde, ça passe en facile. Là normalement, normal, tu passes pas, là tu refais quoi. Allez, un cœur entier. Hop. La barre de vie qui grandit un peu. Allez, on se casse. Non, franchement, il tourne super bien Bayonetta là. C'est vraiment plaisir à voir un jeu comme ça qui tourne sur une console portable. Ça fait plaisir. Allez, on est reparti pour un cœur. Huh.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de planqué derrière? Allez, hop. On va aller chercher l'arme maintenant. Donc on a trouvé un disque. J'espère que j'aurai cette thune. Sinon on est dans la merde. On va pas ramasser là encore. Hein. Allez hop, go les enfers. Ouais, c'est pour toi. Je sais que tu kiffes les disques d'or. ちょうど今仕上げにかかってるブスがいくつかあるから、そいつらを完成させるのに好都合だ。よこしな。一仕事してきてやるぜ。 Ouh, ça c'est beau, le petit katana. Le parfum, la chasse est désormais disponible. Donc on va pouvoir acheter l'arme. Et c'était juste un thune. Ça j'aime bien. Un bon coup de talon à aiguille dans sa tronche. Alors, on répète des trucs, on hein, fait des sous, hein. On a besoin de sous. Yep. On va continuer. J'ai jamais fait attention. On pouvait les soulever. Putain. Je me rappelle pas sûr. On pouvait faire ça. Allez, on est parti. Alors, tout comme lorsque la lune brille dans le ciel, je sens que mes pouvoirs gagnent en puissance à l'approche de cette structure. Grâce à elle, je devrais être en mesure de contrôler la gravité, même en plein jour. Là. Et là, hop, on a la tête à gravité changée. Et là, on est, hop là, on monte. Ah merde, j'ai pas équipé mon arme. Oh le coup.
j'espère qu'on peut équiper les armes, on va pouvoir pendant les combats. Bonjour monsieur. Namaikina boya. Achi da yo. Ça, ça veut dire non. Chérubin de la première sphère d'alliance. Ah, il y a une petite approche. Hein. Ah non, ça tu le vois pas tous les jours, je te le fais pas dire. Alors attends, c'est là qu'on change les armes. Non, putain, mais... Là, on va se mettre les épées au pied et au poing. Aïe. Et ramasse les dents. Ah, ça fait mal, ça. Yeah. Ah, je te rentre ton épée dans la tête, mon cochon. Ah si eux, il faut les choper. Merde. Non, attends, faut... est-ce que je vais pouvoir le faire apparaître? Je vais le faire apparaître le dodo. Ah merci, Y pour les choper, le petit. C'est Y pour les choper. Voilà, capturer 1 sur 20. Les corbeaux de l'Umbra. Allez hop. Ah non, mais le vestiaire de Bayonetta il est complètement pété, quoi. Dans le premier t'avais des anges, mais dans le deuxième en plus t'avais des démons, quoi. Remporte le combat sans te faire toucher. Ah bah là t'es obligé de faire en platine. Hein. Mais ça marche, merci à toi d'être passé. On aura fait un petit peu de campagne au début du live, platine pure. Bah t'es obligé, fallait pas te faire toucher. Hop, je pense que je continuerai peut-être ce soir ou plus tard le live. Je continue un peu. Merci à toi d'être passé, bon après-midi. Et bonnes vacances surtout. Si t'étais là, c'est que t'es en vacances déjà. Ça, c'est du coup de pied classe quand même.
Alors là, on a chopé le corbeau. Boum. Une méga sucette. Elle a, ça tombe bien, elle adore les méga sucettes. Bon, est-ce qu'on va pouvoir aller là-bas? Merde! Putain, j'ai raté mon... Bonjour! Ça serait pour vous éclater la gueule. Au cas où tu l'aurais pas compris. Le viol de petit. Des petits chérubins. D'accord, je me suis fait toucher avec ça. Non, je vais pas aller te voir. Est-ce qu'on peut remonter? Je peux remonter. J'ai pas envie. J'ai raté un coffre, quoi. Je peux mon coffre. Putain, on va pas pouvoir remonter. Ah, péché. Ah, la loose. Ah, j'ai raté mon coffre. C'était facile à voir, tu vois. ずいぶん恨みを買ってるのね。どんな老いたをしたの？ママにも言えないようなこと？さあね、記憶にねえな。それより、さっさとこいつを始末しろよ。お前が散らかしたゴミだろ。それが人にお願いをする態度？怖い天使にお仕置きされるわけね。うるせえ。仕方ねえ。取引だ。俺を助けてくれたら、 Pas besoin de carte magique. Ah, coller des. Coller des mots yo, il est semé.待てよ。案内する前にお前に一つ条件がある。ん？何の条件？言ったでしょ。取引は優位に立ってからするものだって。まずお前はやめなさい。レディに対して失礼よ、坊や。だったら坊やもやめな。いいか。俺にはロキって名前があるんだ。自分も名前くらい名乗ったらどうなんだよ。おい。 名前聞いて。そうね、ベヨネッタとセレッサ、どちらがお好み？セレッサ。セレッサってガラかよ。決まりね。さあ、行くわよ、坊や。坊や。おい、俺の名前は？あんたが男になったら呼んであげるわ。ついてきな。
Et les petites recettes occultes, ça c'est pour faire les ingrédients. Pour faire plein de potions. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Hein. Des potions. Donc c'était pas là, c'était là. Forcément, j'en ai plus. Et là, tu décides des potions que tu fais. Ok, ouais, ça n'a pas changé, c'est comme sur Wii U. Bonjour monsieur. Peur. Salut Darkness. Ah oui, par rapport à version Jap, il fait pitié. Après, pour le prix, y a pire, mais c'est pas. Je l'ai montré en début de live. Collector.
Enfin, faut que je le remonte sur l'autre écran, c'est plus flagrant. Tac. Collector Nintendo Switch. Collector Wii U. Ça peut le jour et la nuit, le bordel. Bon, après, bon, pour le prix, ça me dérange pas, c'est pas... Bon. S'il avait été à ça, à plus de 100 balles, ouais, ça m'aurait fait chier de payer si cher. Mais là, pour le prix, ça va encore. Hein. Mais après, oui, c'est pas foufou, quoi. Mais après, ouais, moi, je suis content de retrouver Bayonetta sur, sur console portable. Je dois avouer que... Je l'ai pas trop testé en portable, mais tout à l'heure, on l'a fait un peu tourner. Je l'ai montré à la caméra, je l'ai débranché, le son dock. Moi, c'était surtout le fait de l'avoir en version portable Bayonetta qui me faisait envie. Ouais, sauf que pour trouver le collecteur de la Wii U, ça va être compliqué maintenant. Puis surtout, l'avantage, c'était que dans le collecteur Wii U, il y avait les deux jeux en physique. Là, on l'a en démat, le 1. C'est ça aussi le problème. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles armes? Non, l'autre n'est pas encore sorti. Donc, on va acheter les techniques de Rodin. Alors, les techniques. Hein. Le coup d'épaule, ça n'intéresse pas des masses. On va laisser ça part. Ah, c'est un Shoryuken quand même. Ah, tu peux faire un super combo, mais là j'ai les deux. Ah, j'ai pas assez d'alo pour le faire, merde. Putain, il y a tellement de skills à acheter, ça s'appelle comment? L'élancement de la sorcière. La tapis achètera plus tard. Hein. Non, mais en même temps, Darkness, les gaijin n'ont jamais été traités pareil. Hein. Zutto maekala, onaji mono dayone. Gaijin ni tsuite nyonjin wa kini ilanai. Ça, il va falloir t'y faire. Hein. T'achètes direct au Japon, mais si t'attends qu'ils te le sortent chez nous. Hein. Yume wa yume de shikanai. Ah, toki toki. Alu. Ah, mezurashi. Koto dayone. Alors, ça c'est bon. Et quoi par là? Faut tout explorer pour sinon on peut pas rater un petit bout. Non, normalement si je vais là, il y a un mob. Bonjour le mob. Tiens. Tiens, prendre des grosses branlées le chien. Oh. Tiens. Le mec qui se sera pris un platine à la gueule, il aura pas compris pourquoi quoi. Il fallait pas être là, c'est tout. Allez, file-moi un platine là. Que j'en ai pas beaucoup les platines. Oh, Waruiko, ouais, je suis. Waruiko Dayone. Ah, il est là mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Donc, tu te seras pas pris, toi, cette version. Enfin, je sais même pas si t'as la Switch, toi. Je me rappelle plus. Suitekina. Ça, Dozo. On va faire ça, on va finir par un petit boss. Je pense savoir lequel c'est. Ouais, ça casse de partout. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, tu l'as pris quand même. En même temps, tu peux le prendre... Ah, t'as pris la version simple. Mmh. Bon, t'as, ouais. Je pense que c'est une bonne pioche sur Switch quand même. Ouais, ciao. Il mordrait le gros chien. Hein? Ouais, ma perte. Je dis donc, quand tu me causes. Eh bien.
Pars pas. Ah, j'ai déclenché mon Umbra pour rien. Je suis dégoûté. Ah, il me reste un peu d'Umbra. Tiens, prends ça pour de l'Umbra. C'est toujours aussi beau quand même, c'est bluffant. Sauf que maintenant c'est encore plus bluffant, ça tourne sur une console portable. Déjà pour une Wii U c'était super joli, alors sur une console portable. J'avoue que. Tu as joué en version portable toi? Ah bah moi aussi je prendrais le collecteur de Bayonetta 3. J'ai déjà. J'ai tous les collecteurs de Bayonetta. Ben, le n'en avait pas eu. Qu'est-ce que c'est beau quand même, les combats ils sont dans le test. Hein. Bon moi je suis nul mais. Pas grave. Putain mais je suis vraiment une quiche lorraine moi. Je suis vraiment nul hein, où il y a de la latence sur le truc, c'est pas possible. Sur un boss facile comme ça, je vais prendre une note de merde, quoi. Je suis dégoûté. Je joue vraiment mal, quoi. Putain, je te piétine, tu laisses ça, mes talents. Ouah. Encore, ils sont gentils, ils me donnent un argent, quoi. Moi, je me serais donné rien du tout, quoi. Mais belle, ok. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur beat'em up à 3D qui existe. Même si je dois avouer que le DMC Devil May Cry avait un très bon gameplay. Pas développé par Capcom et Ninja Theory, il était vraiment très péchu aussi. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est Bayonetta. Bayonetta de le meilleur. Beat'em up 3D, y a pas photo. Quand tu te dis que le meilleur beat'em up 3D tourne sur une console portable, ça fait quand même. Tiens, je t'ai chopé moi. Allez, laissez-le. Ah oui, on est au-dessus, mais pour moi, DMC Devil May Cry était très bon au niveau du gameplay. C'était même l'un des meilleurs Devil May Cry. Hein. Parce qu'il avait vraiment, entre l'arme démoniaque, l'arme angélique, le fait de ramener les gens, le fait de se taper vers eux... Ah, j'ai raté qu'un truc, putain du ciel. Hein. En facile, je me chie. Quoi. Page suivante. Hein. Sorcière de l'ombre. Ah, le plus péchu, c'est celui-là. Alors, je t'ai ouvert un accès direct à mon magasin depuis la carte des chapitres. Et ben, on va s'arrêter là. Chapitre 2. On va aller voir ce que donne Bayonetta 1 avant de se quitter vite fait. Juste par curiosité. Voir ce que ça donne. Et on reprendra le live ce soir ou un autre soir. She must be kept from the path of the dark arts forever.
Bayonetta, premier du nom. Bayonetta. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir en cartouche celui-là. Mais bon, tant pis, on se contentera du démat. Ah, parce qu'ils ont rajouté des trucs. Manette. Qu'est-ce qu'il y a là? Les commandes. La caméra classique. Le son. Ah, les voix anglais, va mourir. Nihongo. Koe Nihongo. Jimaku Hai. Kore de Yosh. Je vais le faire tester par mon petit Cétin ce soir. Lequel? Le premier ou le 2? Nouvelle partie. Bon, je vais le faire en normal donc, quand même. On va pas déconner. Ouais, il y a cartouche de Bayou. Et par contre, est-ce qu'il y aurait le français dedans? Tu le sais? Oui, ils ont fait exprès de le nerfer au niveau des langues. C'est moi, il me semble que je l'avais pas pris parce qu'il me semble que c'était que japonais, le collector. Il n'y avait pas les voix. Enfin, les voix, il n'y avait pas les sous-titres. Hein. En même temps, c'est vrai que j'aurais pu le prendre parce que je m'en fous des sous-titres. Hein. Premier pas encore joué. Ah ouais, c'est vrai que ça commençait comme ça. Mais putain, c'était beau quand même. Il était pas mal le premier chien. ヨーロッパの辺境に時の権力者に仕え悠久の歴史を見守る二つの部族がいた。闇に生きる一族アンブラの魔女と光を主とする一族ルーメンの賢者である。彼らは互いに敬意を払い不可侵の掟を守って人類の歴史を影ひなたから支えていたが、その調和はある日もろくも崩れ去る。 Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que je l'avais pas pris. Il le faut exprès. ヨーロッパ全土を突き果てるとも知れぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない熾烈な抗争だった。しかし拮抗する両者の勢力にも次第に変化が現れ始め、 de ma version PS3, hein. Enfin, c'est comme sur Wii, pas plus. Kondo は闇の力を恐れた人々による魔女たちへの必要な迫害が始まった。狂気に駆られた民衆は生き残った魔女たちを徹底的に断罪。 影の観測者、アンブラの魔女の一族も歴史から消え去った。ただ、一人を除いて。 L'arme de sang de l'Oumbra.
Buffalo Blood. Là, ils vont faire le petit sacrifice. Hein. Alors, sélectionnez changer de tenue pour modifier la tenue de Bayonetta. Ah, ça, ils l'ont laissé comme sur. Comme sur Wii U. Donc, on peut changer la bayo. On va la mettre à 1 version. Là. Complètement dégueulasse. Alors, section le chapitre. Le vestibule. Jouer. Team Little Angel. Platinum Game. Yuji Shimomura. Yusuke Hashimoto. Hashimoto. Yusuke. Et Kamiya, forcément. À la réalisation. Enfin, au directeur, plutôt. ダンプティ墓の中か。壊し屋エッグマも最後は飽きねえもんだったぜ。なあ。そんなことより何で俺がこんなやつのために この通り。こんな葬式に来る物好きだってただの一人もいやしねえ。とはいえ、仏の世話も俺たちの務めだがな、奴の組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。てパフォーポ、マッシュでブロックで済ま、先輩は。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいい奴が手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。もらうもんはもらうがな。 おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよ、祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹をすかせた神様の朝飯としてだがな。<笑><笑> さてと、俺も帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃ、アバエよ。まさか、お迎えが嘘だろ。あんなクズにも。 この腐った体の光め、今知ったらめ。あの光の中にいるんだな。お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきりと、温かき祝福の光に包まれて天より降臨めされた神の御使いが。来やがった。
Affinity. Sorcière. あんたたちもねんねの時間よ。 痛い目に遭ってる。置いてなしたのか。よう、エントじゃねえ。隠れてたまりにたまった店のつけを払ってもらう前に死なれちゃ困る。 C'est une version Disney, quoi. Version princesse Biatch. T'as normalement le costume de Link, costume de Peach, costume de l'autre là, comment ça s'appelle, l'autre bruit là, l'autre princesse à con. Donc il y a 4 costumes en tout. Et c'est les mêmes que sur Wii, ouais. Je sais pas ce que j'ai dit. Elle devait me reprendre, je sais pas ce que j'ai dit comme question. Ouh! On perd du café quand même. Il y a le costume de Samus là. Mais Samus en armure. Hein. J'aurais préféré Samus à la version Team Ninja. Ça aurait un peu plus correspondu. Et t'as le costume aussi de. De Fox. Star Fox. Oh yeah.
Ah, c'est encore plus abusé là, cette tenue, quoi. T'es encore plus dévergondé dans le premier que dans le... Alors, se déplacer, sauter, esquiver, donc ils ont remis du tactile. Bon, je vois pas l'utilité, franchement. Je voyais pas l'utilité de jouer au stylet sur la Wii U, je vois pas l'utilité. Autant t'as certains trucs, ça peut être intéressant, le tactile. Mais là, pour ce genre de gameplay... Alors, touche un ennemi pour l'attaquer automatiquement, tu attaqueras l'ennemi aussi longtemps que le réticule sera visible. Ah, décidément. Appuie sur X. Ou... tu peux vraiment tout faire au tactile, quoi. Il va mourir. Désolé. Ah, même principe. Et apprends-moi l'esquive. Ça va être, ouais. Franchement, ça doit être chaud quand même d'esquiver tout au tactile, quoi. Oui, esquive au dernier moment. Superbe! Ouais, c'est vrai qu'on ramasse des pièces, hein. Il m'a interrompu, lui. J'avais esquivé. Ouais, en tout cas le premier, aussi fluide que le deuxième, ça fait plaisir. Portable, on va bien s'amuser. Je pense qu'il y aura toujours les problèmes de lisibilité. L'un était beaucoup moins lisible que le second. Putain, ramasse tes dedans. Ouais petit, je vais faire un coucou. Tirer sur un ennemi. Quoi? Tirer sur un ennemi après un coup à maintenant. Ah oui, d'accord, oui. C'est ça, là, ok. Si tu veux le jeu. Allez, si tu le verras. Alors, fais tourner le. Avec AOX, là, ouais, si tu veux. Ah, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Une fois activé, ouais, tu le prends. Ouais, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là, quoi.
Que je l'avais oublié celui-là. On va l'utiliser, hein. Ce qu'on nous a demandé d'utiliser. Toi, tu vas prendre une rousse. Oh putain, ça se voit que je joue à la fenêtre pour esquiver, elle est beaucoup plus courte. Quoi, tchao, ouais, effectivement. Il est toujours aussi kiffant, quoi. Il est toujours aussi kiffant, quoi. Merci à toi, Darkness. De toute façon, je vais couper le live, là. C'était juste pour montrer le début. Hein. Et voir si, comment il tournait, le Bayonetta. Premier du nom sur Switch. Et ouais, ben... Si le 2 tournait bien, en même temps, ça paraissait étonnant que l'autre ne tournait pas bien. Allez, bon, on va en rester là. C'était vraiment pour voir comment il tournait. Mais écoutez, j'espère que ce live sur Bayonetta 1 et 2 sur Switch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis, Gianni.